Bonjour à tous, c'est Damory et Saba. Notre spécialité, les souvenirs historiques de la haute époque à la Première Guerre mondiale. Principalement des coiffures. Nous allons vous faire découvrir de nombreux objets au fil de nos vidéos, afin de faire partager la richesse de notre patrimoine historique au plus grand nombre, de manière ludique. Je vous présente aujourd'hui un casque Adrian modèle 1915 de la Première Guerre mondiale du modèle de l'infanterie. La bombe, faite dans une plaque de tôle emboutie, ainsi que la visière et le protège-nuque. Le cimier, façonné dans une plaque d'acier, est galbé à la forme. Toutes les pièces sont assemblées par sertissage et rivetage. La coiffe intérieure est en cuir, découpée de 7 dents triangulaires. Petite jugulaire en cuir pour les casques de troupes. De couleur bleue au début et pour certains, couleur moutarde par la suite. En septembre 1915, il est distribué enfin un nouveau casque appelé Adrian, dit modèle 15 chez les collectionneurs. Il est fabriqué à de très nombreux exemplaires et même exporté dans beaucoup de pays étrangers. L'insigne de l'infanterie, la grenade enflammée. La grenade est surmontée de 12 flammes. Cet insigne est attribué à l'infanterie, puis étendu au peloton cycliste, à la cavalerie, à la gendarmerie, et à tout autre corps sans insigne spécifique. C'est l'insigne le plus rencontré sur les casques du modèle 1915. J'espère que ce voyage dans le temps vous aura plu. À très bientôt pour de nouvelles découvertes. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez voir toutes les autres en vous abonnant à notre chaîne YouTube Damory Historia. Merci.